L'opération du domaine de l'étang est une opération de réhabilitation énergétique d'un ensemble immobilier constitué de 367 logements répartis sur 8 bâtiments et qui compte à environ 15 000 m² de façade. La laine de roche est naturelle de par sa consistance, constituée de deux basaltes. Il était important pour nous, de par cette vertu écologique, de l'utiliser sur ce chantier. Sur le cahier des charges de cette opération, il fallait adapter les solutions écologiques des solutions minérales avec d'autres performances, et notamment des performances liées à la sécurité des occupants, et notamment à la sécurité incendie, donc la stabilité dimensionnelle au feu et aux moisissures des solutions en laine de roche, qu'on a déjà utilisé sur d'autres opérations par le passé, avaient fait leurs preuves et il était tout naturel de les reconduire sur cette opération. La laine de roche recoule a trois atouts pour le dossier du domaine de l'étang. Un atout au niveau de l'incendie, elle permet d'avoir un manteau uniforme parce qu'on n'a pas de bande de recoupement à mettre en place. L'intérêt de la laine de roche au niveau de la thermique, c'est de permettre une enveloppe uniforme sur l'ensemble du bâtiment avec des épaisseurs raisonnables. Au niveau de l'acoustique, c'est sa très forte densité qui permet une acoustique très performante, contrairement à d'autres produits plus légers qui pourraient la dégrader. La laine de roche EcoRock Duo de Rockwool est facile à mettre en place. Elle se coupe très facilement à l'aide soit d'une scie spéciale laine de roche manuelle ou électrique pour faire des coupes en biais ou alors des harpages de plaques autour des embrasures de fenêtres. L'isolant laine de roche EcoRock Duo de Rockwool est souvent préconisé par notre entreprise sur le bâti ancien lorsqu'on a des façades en pisé ou en mâche fer, parce qu'il permet de laisser respirer le support. C'est un isolant qui perspire et qui laisse passer la vapeur d'eau, etc., d'où moins de moisissures, de condensation à l'intérieur. Il permet certes d'isoler en hiver, mais de garder de la fraîcheur en été, d'avoir des appartements tempérés. Je travaille avec la société Rockwool depuis plus de 30 ans. C'est une réussite, c'est un engagement fort et réciproque. EFAG développe depuis de longues années une politique volontariste pour la protection de l'environnement et on développe énormément d'actions sur l'économie circulaire. Rockwool s'associe totalement à cette politique, notamment avec le système Recycle qui permet de recycler l'ensemble des déchets d'isolation de laine de roche. Cette opération, il y a zéro déchet, c'est bon pour la planète.